aimé Loulou. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va un petit peu mieux. Je suis encore sous antibiotiques, mais c'est pas grave, ça va passer. Aujourd'hui, comme indique le titre, donc j'ai fait une commande sur le site de Nalval, donc notre copinote Val, sur le site Scrap Influence. J'ai également fait des petits achats à la Foire Fouille, à Noz et à Auchan. Je te mets tout dans la même vidéo parce que tu vas voir, il n'y a pas grand-chose. Donc comme ça, au moins, on ne perd pas de temps. Alors j'avais tout déballé parce que Valérie avait mis plein de scotch noir, là, enfin marron. Donc j'ai tout déballé. Désolée si je toussote. Et je vais te montrer ce que j'ai commandé. J'ai gardé la petite facture. Donc c'était dans une boîte à pizza. Hop, ça va aller au recyclage. Et donc j'en ai eu pour, comme tu peux voir, 35,79. Et je me suis aperçue que la coquine, donc j'ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai eu ceci en cadeau. Je vais, voilà, en cadeau de la part de Valérie. Donc, c'est un stick it. C'est un stylo. Je vais y arriver. C'est un stylo gel pour les petites finitions. Alors non, ce ne sont pas mes ongles, ils n'ont pas poussé en une semaine, ce sont des faux ongles. Mais j'ai fait comme tu peux le voir, enfin j'espère que tu vas le voir, avec le comment? Le vernis magnétique. Et donc ça fonctionne pas mal. Mais je te ferai une vidéo dessus. Peut-être sur mes vrais ongles ou peut-être sur des faux. Donc bah merci ma Val pour ce petit cadeau. C'est super gentil. Donc je vais garder la facture. Donc en premier, j'ai pris une plaque B pour la machine de découpe à 6,85 pour la machine de comment d'action qu'on avait eue. Donc je vais voir si je me suis pas trompée, si ça fonctionne. Ouais, impeccable. Donc voilà, ça m'en fait une de rechange parce que la mienne commence à est un peu usé, donc j'en ai une de rechange. Donc je te dis 6,85. Ensuite, j'ai pris ce petit bloc de Stamperia Forest. C'est vrai que c'est chiant la lumière. Voilà, comme ceci à 5,99. Je vais te montrer comme ça, tu pourras voir et je pourrai après jeter les papiers. Alors là, j'espère que le son ira avec ma voix. J'espère que les commentaires seront activés. Et j'espère que les pouces également. J'ai tout fait, j'ai tout trouvé maintenant. Croisons les doigts. Donc, Stamperia. Waouh, c'est trop mignon. J'ai déjà vu. Donc, Stamperia Forest. Oh là là, c'est trop beau. Alors là, franchement. Il y a un petit écureuil, un petit hérisson.
Oh, j'adore. Oh là là, c'est superbe. Un aigle. J'espère que tu verras bien. Oh là, tout, bah, poisson, cerf, écureuil, hérisson, renard et ours. Magnifique. Des framboises. Oh là là, ils sont superbes. Et c'est bien épais, hein. Là, ce sont je pense, des carpes et brochets. Brochets, carpes. Là, pareil, on peut éventuellement découper, hein, les petits. Oh, c'est magnifique. Oh, bah là aussi. Ça peut faire une belle couverture d'album. D'ailleurs, il va falloir que je m'y mette parce que je suis pas encore très douée pour ça. Ensuite, j'ai pris une mini Tatiglu à 1,49. J'en entends tellement parler que je veux l'essayer. Je voulais l'essayer, donc voilà, 1,49. Et là, j'ai fait un craquage dans les die-cuts. Bah oui, hein. Entre les stickers, les embellissements, tu sais que ça, moi, c'est ma passion. Donc, j'ai pris des die-cuts. Donc, ça vient de Stamperia, c'est Oriental Garden. Ils sont tous à 3,99. Donc, voilà. Donc, il y en a. Il y en a 62 pièces. Je vais t'en montrer quelques-unes. Donc, The way to do is to be. J'essaie de pas te mettre, voilà, les ongles. Ils sont superbes. Oh! Là, oh, la japonaise, là, elle est super. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer? Enfin voilà, il y en a 64 pièces, donc c'est Oriental Garden. Ensuite, j'ai pris pareil, les die-cuts. Et là, c'est die-cut Cosmos. Je te montre déjà, die-cut Cosmos. Wow. Ah, c'est trop mimi. Donc là, oh le loup. Ah bah alors là, dis donc. Ça, donc des planètes, la Terre. Oh la chouette. Ça va être bien pour ma maman qui adore ça. Là, c'est marqué Never Stop Looking Up. Ah non, et puis ils sont bien épais. Hein. Une grenouille. Et il y en a pareil, combien? 66. Bon, je te montre pas tout, à la limite. Hein. Tu vas découvrir le. Oh, celle-là aussi, elle est magnifique. Tu vas découvrir la. Le. Comment? Le site de Valérie, Influence. Scrap Influence. Et tu pourras commander si le cœur t'en dit, bien sûr. Ensuite, eh ben Forest pour aller avec les voilà les papiers que j'ai commandés. Oh là là, l'ours. Alors là, il est magnifique, hein. Le renard, l'écureuil. Le sanglier. C'est trop beau. Encore un faucon. Le hérisson comme ceci. J'espère qu'il est en gros, le hérisson. Oh non. Oh
Oh, c'est dommage. Il n'est pas comme le petit écureuil. Là, un autre petit écureuil. Là, des petits renardeaux. Ah non, ils sont magnifiques. Bon, on n'a pas le hérisson, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus, hein. Impeccable. Et puis, ils sont bien rigides. Donc, ça, mettre sur des créas et tout ça, le bonheur. Donc, je range en même temps, hein. Ah, et ainsi, il y a un tout petit hérisson comme ça. En même temps, si on le mettait à la taille de l'ours, ça serait pas top. Et ensuite, j'ai pris là, c'est. Ah, bah, je vois pas le nom. De. Ah oui, de. Time Bring Roses. Donc voilà. Alors là, pareil. C'est trop beau. Oh là là. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Petite barrière. Oh, c'est trop beau. Il y a un petit chat, j'aime pas un petit chat. Un petit minou-minou. Voilà. Ah non, ils sont magnifiques. La porte. Oh là là. Magnifique, magnifique. Et ah, je t'ai pas dit combien il y en avait dans ceux-là. Il y en a 59. Et eh ben voilà pour mes petits achats Scrap Influence et j'en suis super contente. Merci à toi Maval si tu passes par là. Vas-y, attrape-les. Ensuite, je suis passée à la foire fouille. Je me suis pris une seringue. Ouais, je vais me piquer. Par contre, là, je pourrais pas vous dire les prix. J'ai plus le ticket. Donc cette petite seringue, eh ben ouais, c'est pour m'injecter du sang. Mais non, c'est un stylo. Alors, je vais regarder. Ouais, il écrit en bleu. Bon, ça commence à me saouler, hein. Bon, après, je l'ai en face. En pleine face, ça ne va pas le faire. Voilà. J'ai trouvé ça trop sympathique, trop marrant. C'est un gadget, mais enfin il écrit, hein, donc c'est déjà bien. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'était 3,99, je me rappelle. Action Beauté Parfumerie, c'est le numéro 9, senteur de fleurs de cerisier, c'est une eau de parfum. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre? Made in France, 83% volume. 30 ml, il est comme ceci. Et moi, je vais pas m'en servir comme parfum. Ah, oh, ça sent super bon. Oh, je te fais sentir. Mais je vais le faire en vaporisation pour les rideaux et tout ça. Oh, ça sent super bon. Ensuite, bien, j'ai craqué pour un métallique vernis. Mouf. Alors sur quoi je vais te le mettre? Bah sur la facture, hein. La pauvre facture de Val, elle va ressembler à plus rien. Bon, en même temps, c'est pas très grave. Mais bon, il y a mon adresse. Mais bon, en même temps, tout le monde la connaît. Ah oui, bien métallique, hein. Je sais pas si tu vas voir. Ouais, voilà. Il est bien métallique. Impeccable. Et le pinceau est normal. Ensuite, j'ai pris donc de la marque pareil, Modélite ou Modélite, comme tu veux. C'est une ombre à paupières liquide.
Et c'est la couleur, donc c'est 5 ml. Et c'est la couleur 05 lilas. Allez hop. Oh ouais, elle est pas mal. Bon, il n'y a pas d'odeur, hein. Modélite, il n'y a pas. C'est un petit peu irisé. Voilà. Et ensuite, toujours pareil de Modélite, c'est un taupe et c'est un rouge à lèvres liquide crème. Lipstick 10 ml, c'est le numéro 04. C'est un embout comme ceci. Oh, il est super. Oh, il sent un peu le caramel. Ou le lait chocolaté. Bon, il est là. Il est super. Donc voilà mes petits achats à la foire fouille. Ah ouais, une fois qu'il a séché le vernis, ouais, il est super. C'est pas. Alors, là, les ongles que tu vois, ils peuvent être mauves, mais ils peuvent être aussi d'un reflet marron. Mais là, tu ne vas pas le voir. Ça peut être rose, or et mauve. C'est celui que j'avais acheté sur AliExpress, Amazon. Et ensuite, deux autres, donc à Auchan. Pour 3 euros dans les loisirs créatifs. Ouais, j'ai craqué. Ça fait cher, mais tant pis. C'est plein de petits minous que je vais bien sûr customiser. Car j'ai acheté dernièrement, mais je ne t'ai pas montré, une porte pour mettre les clés. Là, tu vois, là, je vais le changer. Ça va être une boîte, mais il faut que je la customise. Je te montrerai comment je l'ai customisée. Et à nos, alors là je suis dégoûtée parce que tout le monde a trouvé du make-up, des bijoux, des machins, des trucs. Moi je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Pour 99 centimes, un beauty blender rose. Voilà. Et pour 30 centimes, des stickers marqués sport. Alors ça tombe bien puisque j'ai mon petit chouchou d'amour qui arrive. Mardi, enfin je vais chercher mardi chez lui pour passer une semaine les vacances bah, avec mamie et papy. Donc on va pouvoir faire bah, du scrap, des activités manuelles. Donc ça tombe très bien. Mais bon, je n'ai trouvé que ça chez Noz, donc je suis un peu deg. Donc voilà, et eh bien sur ce, j'espère que cette commande sur Scrap Influence plus ce petit haul de ci, de là, t'aura plu. Si c'est le cas, c'est comme ça. Sinon, tu sais faire. On n'a pas besoin de te le dire. Maintenant, tu connais. Hein. Voilà. Je te souhaite eh bien, un très très bon week-end. Nous, on se retrouve eh bien, après cette vidéo pour la guidance numéro 3. Donc. On se retrouve après. Je te et je vous, de tout mon cœur, je t'envoie des millions et des milliards de bisous. Vas-y, allez-y, attrapez-les. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!